y el proyecto número uno, leche a gogó. Ça t'a passé dans la ville de Santiago, dans le pays Chili, 11 novembre 2005. L'organisation en deux Nations Unies qui relève CEPAL, ensemble avec une fondation américaine, Fondation Kellogg, t'a choisi la ville ça, une ville qui est plus développée dans le continent Amérique du Sud, pour t'organiser pour la première fois un concours sur le plus bel projet social qui fait sur le continent. Après une année de travail, parmi 1600 projets, l'organisateur a choisi 20 sacs de plus bons pour participer dans la finale concours qui a fait Santiago 10 à 11 novembre. Pendant deux jours, responsable 20 projets finalistes ont été rassemblés dans Santiago pour venir présenter et partager l'expérience. Il y a toute qualité de projet, sorti dans les affaires agriculture, arrivé dans le projet pour Timoun Lari, projet santé, projet pour défendre qu'il t'y peuple indien. Haïti te présente tout avec le projet Let a Gogo. Chaque participant est arrivé à prendre en pile, you know me lot. Pendant deux jours, le représentant Let a Gogo a expliqué aux visiteurs le principe et l'organisation de tout le programme. Il a goûté écouter Let là. Non? Mais ce n'est pas seulement présenter le projet sur les stands. Finaliste, tu as gagné pour présenter le projet devant un grand jury qui t'a décidé qui projet qu'a premier. Monsieur Liu, qui est président de la Fondation Kellogg, est présent. Et pendant que tu as eu l'occasion de goûter les Tagogo qui sont à Haïti, il t'a expliqué qui genre projet ça est capable de porter changement dans la vie moune. And it's very powerful because the it's not the seeing this power, but it's the worlds that our friends here in Haiti, in other parts of Latin America, and Caribbean, are really building a beautiful universe. It's very powerful, this universe, and this universe is beginning to speak out to the world. And for me, I'm very touched by that. C'est comme ça que Let a Gogo te prend le premier prix dans le concours. Ça y est, on a choisi et pour nous, Let a Gogo était le meilleur. C'est une histoire pour des gens qui habitent dans les conditions difficiles, pour des gens qui n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas d'électricité. C'était incroyable qu'on parle du lait. On pense que si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas travailler avec du lait. On nous montre qu'on peut le faire et que c'est très important que la technologie ne soit pas seule. C'est la technologie et la sagesse des gens qui habitent là, qui connaissent le milieu et qui ont plus milliers d'années, centaines d'expériences accumulées en eux. C'est tout ça. Et l'organisation de la communauté. C'est très important. Pour nous, c'était quelque chose de très important. Mais Let a Gogo, c'est qui ça? Haïti Thomas, pays noir, qui chita dans mitan la mer Caraïbe, sous bord droit Zilea, collé à la République Dominicaine, c'est tes ancêtres nous quitté pour nous, après yon te goumen pour liberté et l'indépendance. Pays a tombé depuis quelques années dans une grosse crise politique, sociale et économique. Des autres violences féminines à l'heure. Crise économique, la vie chère, contrebande marchandises qui sortent dans pays étranger, fait production nationale là à pas fini. Par exemple, dans affaires agro-industrie, toute usine transformation lait qui était gagnée dans pays a, yo tout fermé potio dans dernière année ça yo. Paysans yo gagnent pile problème pour vendre lait yo.
Et pendant ce temps, les étrangers envahissent le pays. Chaque année, commerçants yo voyagent des lettres dans pays étranger pour plus passer 40 millions de dollars américains. Après Diri, lettre c'est deuxième produit importation pays. Malgré situation mangomè ça, haïtien pas jambe ses têtes. Une série paysan nan tête collée à quelques jeunes professionnels organisé yo pour yo bay production nationale là j'arrête. Lettre à gogo, c'est une équipe tiletterie qui joue un encadrement dans un vétérimed, une ONG haïtien. Paysans yo joignent un côté stable pour vendre lettre yo. Premier lettre lettre à gogo a te commencé dans limonade dans année 2002 dans département Noa sous plantation madras ak dauphin, yon coquen chen plein plus passé 50 000 caoutchouc. Dans l'année 99, yon gros sécheresse te frappé zone Noa. Ça te la cause en pile bête mouri. Gardinage bête pas toujours facile. Élevé yon kon passe misè, yon oblige chercher zèb à ribor route, à droite à gauche, sous terre qui pap travail ou bien yon servi à kres récolte. Misère pour joindre manger, misère tout pour joindre de l'eau pour bête yo. Pourtant, c'est petit paysan qui porte sous dol 90% élevage pays. Yo toujours dit gardinage bœuf c'est travail garçon. Pourtant, Élise, yon femme vaillant, fait gardinage bœuf. Après sécheresse 99 là, il était recommencé garder bœuf. Garde chaud. Vite manger très vite. Depuis que je ne trouvais pas pour mon gardinage, je me levais, grandir dans le gardinage. Gros sécheresse, c'est ça qui fait dans la pauvreté qui fait que je garde pour mon nier qu'on y a. Parce que papa me gagne un pile bœuf. C'est à cause de sécheresse qui fait nous dévaster, qui fait tout bête mourir. Ils ont mouru par la faim, ils ont mouru dans la boue et ils ont mouru par soif de l'eau. Surtout pour même qui fille qui fait gardinage, je compte rencontrer un pile problème. Je compte sortir la caille 6h du matin, je compte rentrer 4h de l'après-midi, 4h de l'après-midi, m'a marcher dans coin route pour me faire bœuf et manger des herbes. Après-midi pour me venir rentrer en dedans, mais qu'on y a au nom des vétérinaires, yo barré pour nous, yo bonne opportunité pour nous barrer, yo couper terre pour nous et yo bonne herbes pour nous planter pour bête manger. Nous-mêmes, nous coupons bois, nous fouillons trou, nous plantons, nous rachetons les pingouins, nous barrons. Nous finissons, nous avons nos herbes. Nous avons coupé les herbes, nous chargeons les herbes dans la machine, ils viennent accueillir pour nous. Ils viennent accueillir pour nous, nous-mêmes, nous plantons les herbes pour nous bénéficier des herbes. Nous ne connaissons pas affaire de planter les herbes. Nous rachetons les herbes, nous plantons dans le coin pour lever. Il y a longtemps, c'était caille, paille. Nous ne pouvons pas même les barbettes manger. Nous faisons pour nous couvrir caille. Tout ce qu'on connaît longtemps, il y a un bon problème. Mais pendant que tout, et sans venir connaître cet avantage, il faut profiter pour organiser et y avantage. Vétérimède, yon ONG haïtien qui est spécialiste dans l'élevage et santé bête et qui voulait porter une contribution dans le développement pays, dans le travail avec paysans, yo, te mette sous pied un programme pour améliorer zèb. Programme ça a cherché pour tes zèb qui pi bon qualité, mais surtout joindre zèb pour époque sécheresse là. Travail ça fait nan tête collée avec organisation paysan tant que groupe femme. Parce que à peine ça me gagne là même papa me tire sous compte papa me tombe mourir moi dépense pour la mort et connier là dans tout ça m'a vivre là sur kakizi parce que qui fait me pas mettre moi à terre figu me pas fin râler pas fin fené même je crois soleil a poucher moi gagne bon dieu en premier moi non association en deuxième. Moi, je n'ai pas de idée, ni de idée vétérinaire pour ne pas être dans notre organisation, mais c'est pour nous encourager. C'est ça que je dis. Bien que je ne suis pas là aujourd'hui, parce que c'était moi-même qui était censé plus travailler plus proche avec eux, bien que je ne suis pas là, je suis toujours qu'un peu. L'association apporte réconfort. Il apporte supporter et soulager.
Nous insistons, nous dit que faut qu'il y ait des objectifs qui clairs. Il y a un objectif dans tout groupe, nous te trouver même point commun ça, il te dit que faut que famille fait l'argent, faut famille main l'argent, faut que boisse, faut que fait activité. Objectif ça était commun dans mi-temps toute famille. Si me gagne 5 goud. Na même m'pap ka fait rien sans la kay. Mais les nous associer nous ensemble. Si tu es 5 ou 10 ou 15, ça fait que je gagne $30 ou bien je gagne $50. Et encore, l'association vient représenter encore. Quand il y a des pimes d'azou, je fais mon demande, je fais mon poche, je fais $20, $30, $50. Je fais de où? Mais je ne peux pas confier à un green $1,000 ni $2,000. Mais si je m'associe, je peux aider. Nous avons toujours fait ça après un mois. Et puis, je gagne quelques activités épargne. Activité pa yo te commencé d'abord par fond personnel yo et commencé yo recueilli une quantité cob et puis y a prêté moun ka vinn bay ti intérêt au fur et à mesure to a augmenté quantité a augmenté plus moun a vienne pour faire commerce parce que fam dou zone ça fam pa presque chita même les moun nan sal te ka gagnan li dégager le met col dehors pour entre ti bagay non seulement nous te di yo même faut que yo réfléchi pour qui ça yo ka faire nous même nous ta réfléchi bon pa nous pour nous qui gens nous ka aider yo pour atteindre l'objectif qui c'était plus grand rêve yo que c'était yo te brasser pour te changer condition de vie yo. C'est ça que fait nous même nous te vini avec nous vini avec projet vache là ici dans limonade gagnon gros événement qu'a préparé yo pral faire distribution 10 maman bœuf. C'est la première distribution bœuf qu'a fait dans le cadre du programme investissement dans l'élevage de la caille. C'est un nouveau programme qui permet à la ville et à l'autre bord de l'eau d'acheter et permettre aux paysans de joindre plus de bœuf pour les garder. C'est combien? 4. Marie-Thérèse, on va bien. 10. Marie-Thérèse. Numéro 9. Non, numéro 6. Numéro 6. Oui, je bénéficie de bœuf. Je suis en nourrice hier. Il peut être de gain. Dimanche, je vais faire 15 jours. C'est ça qui cause qui vient mettre un pigeon. C'est grâce à un groupe de femmes qui vient mettre un camp sous pied. Ce n'est pas seulement améliorer les zèbres. Vétérinaire encadré et le veille tout. N'en fouillez pi pour bailler bête de l'eau. Dans le pays étranger, il y a plusieurs organisations qui ont fait promotion programme investi dans l'élevage la caille. Tant que collectif Haïti France, agronome et vétérinaire sans frontières, et Aisemonde dans le pays Canada. Bon, en fait, nous-mêmes, nous pas inventé rien. En Haïti, déjà, il y a un système qui est le gardinage. L'on paysan a plusieurs bœufs. Il pas qu'à occuper tout, il compte bailler un voisin, yon famille, yon mon compel garder une vache pour lui. Donc moun qui prend vache là en gardinage, eh ben li capable bénéficier de l'aide là que la vente qui pour lui. Et puis chaque année bœuf ça pral faire petit, petit bœuf yo qui pral fête, y a séparé. Youn pour gardien, youn pour propriétaire. Comme ça moun qui gagne bœuf là en gardinage, li capable vinn gon bœuf après ça. Et puis moun qui met bœuf là lui-même, eh ben lui-même tout l'argent l'a travail parce que petit bœuf a fait petit bœuf a produit dans cas programme ça moun qui met bœuf yo c'est des moun qui à l'étranger qui accepté bayon cob pour acheter un bœuf pour yo en Haïti et puis après ça yo même yo capable revendre bœuf yo puis devant si yo vle mais bœuf la mette ba kounya petit bébé c'est pour yé? Oui pour moi yé. M'a quitté le grandi comme son toyé m'a quitté le grandi m'a demandé bon Dieu fait grandi pour moi et puis pour y ka vivre. Je vais quitter le groupe, je vais acheter une autre maman bœuf, puis je vais me profiter. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Oui, comment vas-tu? Pas plus mal, grâce à Dieu. Il veut bénéficier de conseils dans mes techniciens vétérinaires. Vous êtes content de vous faire? Oui, je suis bien content. Oui, mon bel bouteau. Bel bouteau? Oui. Oh, trop content? Je suis content, pile. Ok. Et puis, comment nous faisons? Est-ce que nous vraiment, est-ce que nous tirons déjà? Nous pouvons? Nous pouvons tirer. Comment ça se passe? Nous attendons que 22 jours pour nous tirer. Oh, faut que ça. Nous avons quitté le bœuf la boîte toujours. Non. Ah. Ça veut dire que le bœuf a gagné à peu près 5 jours à 6 jours pour que le bœuf colostrum soit là. Ah. Oui, moi-même, j'ai gagné 8 personnes. C'est moi-même qui est responsable. Tout est de tout. Social, économique, matériel.
Ça que ça me dit, je vais l'autre bail me vivre encore. Faire garder. Accélère là, c'est ça, mais ce sont ils nous sont même distraction garder. C'est garder qui pour payer l'école, bagain job, bagain m'a fait. C'est celle-là malheureux fait canebon. C'est là. Pendant que nous avons été là longtemps, nous avons connu comment nous avons été venus. C'était bon, nous avons été venus au Breuil. Nous avons garanti que nous trouvions côté de nos vannes là. Nous trouvions côté de nous faire un petit copie facile. Mais vous avez une machine qui a passé là? Oui, une machine qui a passé là plus facile. Mais pour vous, pas même sous prix. Vous avez passé sous même prix ensemble avec les vétérimèdes. Les vétérimèdes ont un avantage qui est plus. Ou quand les gens qui ont passé, les là, ils ont dû aller à la ville, ils ont dû retourner par la vente. Ils ont tourné dans le monde, les gens qui ont attendu ce cobla, ce cobla va venir jouer nous. Mais au nom de Dieu, ne pouvez pas frapper plus au galon, pas sauter, mais il va péter là, ne pouvez pas garder dans le cobla dans le monde. Le problème qui est entre les lettres et les machines, les machines prennent n'importe lettre. Mais les lettres elles-mêmes, elles prennent une lettre spéciale, il faut que l'être la pure, les propres. Si mon a gagné ça, il fait un galon, il met un demi galon de l'eau. Puis il fait un galon, dans cette lettre, il faut que c'est un galon, il est pur. C'est pour résoudre tout problème ça, yo, vétérimètre et atelier création réseau national d'écrit lettres à Gogoa. Côté paysan, yo capable de vendre lettres facile, yon façon pour faire l'argent pour améliorer les conditions de la vie. Journée aujourd'hui, il y a 10 stiletteries dans le réseau national lettres à Gogoa. Chaque travail sorti dans 40 rivets 150 gallons de lait chaque jour. C'est environ 500 paysans qui bénéficient. Lait à gogo, c'est Mac fabrique bon produit tant que yaourt qui c'est un lait caillé avec lait stérilisé qui conservé dans bouteille. Nous joignons laiterie dans limonade, terrier rouge, wanamette, verrette, bon repos, acaillé, tomazo, léogane, jacmel et tobek. Laiterie Lait à Gogo, c'est une entreprise commerciale qui propriété une série de groupes jeunes qui investit l'argent ensemble avec l'association paysan. Dans Laiterie Limonade, représentant l'association Elveyo fait partie du conseil d'administration. Laiterie Lait à Gogo n'a pas servi à gros appareils et a dégagé tout pour travailler sans courant. Produit au vent tout partout en dehors de la ville. Après produit lait à gogo, il n'est pas facile pour joindre dans le pays d'Haïti l'autre produit qui est fabriqué avec les best pays. Programme investissement dans l'élevage la caille pour permettre d'acheter bœuf par les paysans via le programme Lait à Gogo. Initiative ça yo, c'est ZAM pour combattre envahissement produits étrangers. Paysans pays d'Haïti a travaillé dit pour courir production nationale. Dans limonade, dans le département Noa, mesdames yo participé net aller dans mouvement ça. Besoin au ciel, mon faka, allez, besoin au ciel. La combe, la combe, besoin au ciel.